France Nature Environnement et vous êtes également responsable d'une exploitation agricole dans la plaine de Camp-Falaise. Étienne Gagneron, excusez-moi, je ne voulais pas écorcher votre nom comme ça d'entrée de jeu. Donc vous êtes agriculteur bio depuis 1997 près de Bourges. Vous faites de la polyculture élevage avec des bovins viande et des poules pondeuses. Vous commercialisez tout en vente directe dans un magasin de producteurs. Ça, c'est quelque chose, je l'ai souligné très vite, qui se développe beaucoup en France. Et je trouve que c'est. Enfin, voilà, ce n'est pas le sujet de la table ronde, mais c'est intéressant. À ma gauche, Thierry Taquet, qui est directeur scientifique environnement et membre du collège de direction de l'INRAE. Je le prononce à la latine. INRAE. Voilà, INRAE. Depuis bientôt 3 ans. Vous êtes spécialiste en écologie aquatique et en écotoxicologie, donc vous êtes près des thématiques qu'on a évoquées. Et vous avez notamment travaillé sur l'évaluation de l'impact des pollutions chimiques, notamment les pesticides, donc leur impact sur les écosystèmes aquatiques. Et enfin Thierry Coué, qui est président de la commission environnement de la FNSEA, dont vous êtes également vice-président, et vous êtes éleveur vivant dans le Morbihan. Alors on va commencer par les dames. La dame, oui, c'est vrai, la dame. Donc, je passe la parole à Chantal Joly. Il s'appelle Claudie. Claudie. Oh là là, je suis pas très épais. Puis c'est la fin de la journée, c'est vrai. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Ça va être très gentil à vous. Et en plus, j'ai appris plein de choses durant cette journée. Donc, juste un petit mot en passant quand même. Je n'étais pas revenue dans cette enceinte depuis de nombreuses années. Je suis une historique des Cofito et du Grenelle. Et j'ai eu la chance de participer à ce qu'on appelait le copil projet sumérien, sinon c'est un le copil païtan. C'est-à-dire que le secrétaire perpétuel de l'Académie, M. Paillotin, était en charge d'un groupe de travail suite au Grenelle à l'engagement de M. Sarkozy. Et en amont du plan Ecofito. Donc, nous avons travaillé ensemble avec tous les acteurs qui étaient impliqués, le syndicat, tout le monde était dans cet amphithéâtre, échangé. Et M. Paillotin était, j'ai trouvé vraiment super, très actif, dynamique, pas de langue de bois, c'était tout le monde. Et à la sortie, on a eu un rapport de M. Paillotin qui était juste parfait. Et donc, qui a été à l'origine de la rédaction. Après, la rédaction du plan Ecofito. Je voulais absolument lui rendre hommage, profiter de cette présence. Voilà. Sinon, par rapport à cette journée, moi, ce qui m'a surpris un peu dans l'invitation, c'était le titre Santé des plantes et santé des hommes. Alors, c'est vrai que je suis veto, et que ma première motivation, c'est la nature, la biodiversité. Elle est où là, si vous voulez. Moi, j'ai encore envie d'intégrer santé des plantes, santé de la planète et santé des hommes. On ne peut pas. La santé de l'homme ne peut pas exister sans la santé de la planète, sans la biodiversité, sans une biodiversité en bon état. Donc, on est face actuellement à une 6e extinction. Ça, personne ne le nie, tout le monde le reconnaît. On est tous d'accord pour dire aussi que les causes sont multifactorielles. La première cause, peut-être que j'identifierai moi, c'est parce que la mécanisation, parce qu'on a fait vraiment des dégâts monstrueux en mécanisant, en détruisant les quantités d'habitats sur l'ensemble de la planète, et on continue joyeusement. Effectivement, le commerce international et tous ces prédateurs qu'on emporte et qu'on échange aussi joyeusement, c'est une cause importante de la destruction de la biodiversité. Mais bon, il y a d'autres causes encore. Cependant, moi qui suis historique des Cofito, j'ai pu voir l'usage des phyto. On est quand même actuellement à 85 000 tonnes de produits phytopharmaceutiques vendus sur notre territoire. Actuellement, insecticides, essentiellement insecticides, fongicides et herbicides. Excusez-moi, oui. Juste actuellement, ce sont les herbicides qui représentent la majeure partie. Je dis les trois à la fois, il y a les trois.
Et quand on suit, on est à 120 millions de doses de produits phytopharmaceutiques épandus tous les ans. On a pu constater aussi, ma joie et la bonne humeur, c'était quand même 10 ans ou 11 ans qu'on travaille sur le sujet, une augmentation tranquille mais sûre de l'usage des phytos en 10 ans. Donc, en nombre de doses utilisées, on est à plus de 25%. Ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus dans ce cadre de ce groupe de ce plan Écophyto. On a été, FME a été très investi. C'était pas forcément la position de tous les membres de France Nature Environnement. France Nature Environnement représente de façon directe 900 000 adhérents. Parmi eux, il y a beaucoup de gens qui sont quand même qui avaient beaucoup de mal à se dire on va échanger avec les agriculteurs, les représentants du monde agriculteur et on va y arriver, on va faire bouger les choses. Et la position du directoire et du bureau et du conseil d'administration de l'FNE et de façon générale, c'est de dire on travaille avec les acteurs, on est conscient du terrain, on est conscient des problématiques, on avance ensemble, on discute, on essaye de progresser. Bon, on est bien obligé de reconnaître, nous disons qu'on ne progresse pas beaucoup. Et donc, du coup, chez nous, la radicalisation est en train de prendre de la puissance. Hein. Ben, vous voyez le mouvement des coquelicots, qui au départ n'était pas notre position, mais qui vient de la base de façon très très forte. Croyez bien que j'en suis la première attristée, puisque j'ai fait partie des gens qui portaient très fort l'idée de travailler ensemble avec les agriculteurs. Je suis moi-même agricultrice. Et en plus, je suis toujours en conventionnelle dans l'idée qu'il faut que ce soit l'ensemble de l'agriculture qui bouge et pas seulement à la marge certains types d'agriculture qui sont labellisés et qui sont sur des niches commerciales. Je siège aussi à l'ANSES. Je siège aussi sur les problématiques abeilles, ce qui m'a entraînée à mettre mon nez de façon rapprochée, approfondie, dans les avis ANSES. J'ai suivi le passage du rôle de l'ANSES, qui est devenu aussi en charge de la gestion des risques et donc de la distribution des AMM. Il y a vraiment des lacunes. Enfin, moi, j'essaie d'avoir une démarche vraiment scientifique au maximum. Il faut lire en détail la démarche, les rapports de l'ANSES. Hein. Si vous avez confiance dans l'évaluation des risques de la santé humaine, il faut lire le rapport de l'ANSES sur l'évaluation de l'exposition des utilisateurs aux phytos. Hein. Bon, c'est 1000 pages, hein. C'est une étude qui a duré pendant des années. Je vous conseille, il y a un tome de synthèse, hein. Mais ce tome de synthèse reprend en préconisation pratiquement ce que FNE dit. De toute façon, on n'arrive pas à évaluer réellement l'exposition, en gros, c'est ce qu'ils disent, hein. Ou c'est évalué au travers de modèles qui sont fournis par les firmes qui ne sont pas forcément transparents. On ne prend pas vraiment en compte les publications et les études indépendantes. Donc, cette évaluation de l'exposition, on n'en est pas bien sûr. Et si on n'évalue pas l'exposition, on n'évalue pas le risque. Je suis désolée, mais on en est là. Donc, lisez ça, bien sûr, c'est très, très instructif. Quant à l'impact sur la biodiversité, c'est encore bien sûr beaucoup plus difficile à évaluer, étant donné la diversité de la biodiversité, effectivement, forcément. Quant à nos impacts sur les pollinisateurs, pour simplifier un petit peu le problème, lisez aussi les conclusions du rapport de l'EFSA de 2012 sur la qualité de cette évaluation, qui sera encore fini par deux pages de projets de recherche fondamentale à mener avant de pouvoir se dire on va mettre ça dans l'évaluation pour que ça veuille dire quelque chose. Et puis quand même, en 2013-2014, l'EFSA a proposé des protocoles d'évaluation, d'améliorer en tous les cas ce qui existait jusque-là. Cette proposition d'amélioration des protocoles n'est toujours pas prise en compte. Hein. Il y a un système au niveau européen avec un comité dans lequel siègent des États membres qui ont retapé l'année dernière pour la 26e fois les propositions d'évolution de cette évaluation. Donc on est complètement bloqué sur des évaluations qui sont complètement périmées. Et là, on vous parle des pollinisateurs, qui sont les espèces les plus étudiées en impact, pratiquement. Hein. Donc, et on se retrouve maintenant dans une situation, donc il y a une mise en danger de la biosphère, il y a une mise en danger de la santé humaine. On a éliminé en grande partie la biodiversité. Et finalement, l'homme qui est de plus en plus nombreux, quand elle a augmenté la production, quand même, il y a un problème de gaspillage alimentaire aussi qu'il ne faut pas oublier, qui est de 20 à 30 %,
qu'il faudrait régler aussi. On n'est pas forcément obligé d'augmenter la production comme on entend souvent. L'homme se retrouve à avoir éliminé tous ces de nombreux auxiliaires, après avoir étudié ces auxiliaires, je ne sais plus quel représentant tout à l'heure disait que le premier entonneau, c'était vraiment la bouteille en encre totale. Et puis, on a introduit des cultures, par exemple, au tournesol, sur le sol nu. Alors, bonjour l'ambroisie, bonjour plein de prédateurs. Et donc, avec cette évolution-là, forcément, on a besoin de phyto, parce que là, on a besoin d'armes lourdes, on n'a plus de dans la nature, on a rasé tout ce qui pouvait nous aider. Donc, globalement, on a l'impression qu'on arrive dans une impasse. On a des phytos, on les élimine de plus en plus. Moi, l'UIPP, à l'époque, on avait dit, mais Madame Jolie, on a interdit plus de 80% des substances actives, donc ça devrait vous rassurer. Puis ça ne rassure pas du tout, ça veut dire qu'il y en a plus de 80% qui étaient autorisés, qui n'auraient jamais dû l'être. Hein. Donc, et effectivement, on voit qu'on interdit de plus en plus les substances actives. Donc, c'est une démarche qu'on arrive dans une impasse. Il faut faire autrement. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais il y a des gens qui le font, hein, et qui le font de façon économiquement tout à fait rentable. Il faut y aller vraiment. Et Cofito, là, moi, j'en peux plus, et bientôt, je vais plus siéger. Enfin, on ne me donnera plus le mandat pour siéger, parce qu'à 400 millions d'euros par an, hein, pour un plan comme ça, avec les résultats qu'il a, et si je siège plus, c'est vraiment la radicalisation de la société. Les gens vont plus les... Chargé de vous avez oui, vous avez dit à peu près ce que je voulais dire. Parce que malheureusement, on attend un temps infini, mais on a bien entendu, vous dressez un constat très pessimiste, vous dites qu'on est dans une impasse. Alors, je vous demanderai évidemment de répondre à Claudine Jolie, mais également d'essayer de nous donner des perspectives d'avenir parce que vous êtes voilà, très bien. Ça me fait penser sur le débat si on peut aller au carrelage pour 198 et faire Dreyfus, tout le monde en parlant pas, et commence à en parler, tout le monde se taper dessus, mais on n'est pas là pour taper dessus, on est là pour avancer ensemble dans la bonne direction. Et je me retrouve pour partie dans ce qu'a dit Claudine, il se trouve que moi aussi, on n'a pas tout détaillé, mais j'ai aussi si jeune de comité Cofito, ou de la recherche, etc., pour un site du ministère de l'écologie, et ce problème-là, j'ai l'impression que je suis mis à la tête par tout le monde, tout ça, l'affaire professionnelle. À l'époque, j'ai fait ma thèse, je parlais de ma vie, mais j'étais sur la dame, j'étais à la vitrine, et c'était déjà des sujets qui émergeaient pour les pétrinoïdes qui étaient déjà anciens, quand j'allais me pleurer, et on continue à se poser plein de questions sur les effets. Moi, je pense qu'il faut essayer de. Alors, c'est facile, d'un point de vue scientifique, d'avoir une vision qui se veut détachée. Alors, je ne vais pas remettre en cause le fait qu'une bonne partie de ce qui a été écrit aujourd'hui, la l'INRA y a contribué. On ne va pas faire une scène de l'INRA dans les deux sens. Hein. Mais effectivement, on a accompagné des mouvements de développement des agricultures en France à partir de 1946. Il est clair que pour nous, en tant qu'institut de recherche, l'avenir n'est pas dans la reproduction du système actuel, il est vraiment de chercher des solutions. Et quand je dis des solutions, ce n'est pas simplement un levier, un outil qu'il va falloir activer, mais c'est vraiment d'abord s'inspirer de ce qui marche. De ce qui marche, par exemple, par les Cofito, avec beaucoup de critiques qui sont en grande partie justifiées, mais ce qui se développe avec Ferme Défi, parce qu'on oublie quand même qu'il y a une façon de Ferme Défi avec des milieux d'exploitation et des résultats probants ou. Et les collègues, notamment de l'Université de Dijon, je pense à une collègue des jeunes, ont montré qu'on pouvait produire, dégager de la marge en réduisant significativement, largement plus que 50% parfois, l'usage des phytos. Donc, il y a des marges de progrès possibles. Donc, tout n'est pas totalement négatif. Ce qui est, par contre, effectivement très inquiétant, ce sont les chiffres qu'a rappelé Claudine, et puis le fait que le nombre de professionnels qui s'engagent dans ces méthodes nouvelles, en tout cas dans ces évolutions, n'est pas suffisant. Donc, la capacité d'entraînement, elle est limitée. Je vais y revenir. Alors, du point de vue d'INRAE, en fait, quelle est notre ambition pour, on va dire, 2050, par exemple, on avait discuté sur l'agriculture il y a 15 jours. Bah, effectivement, on se projette à des temps où on peut imaginer peut-être ce qui va se passer, quoi, qu'en termes de changement climatique, bah, déjà 2050, ça devient de plus en plus inquiétant. Et ce qu'on pensait être 2050 il y a 3-4 ans, bah, c'est peut-être 2030, voire même avant. Donc, un emballement en général. Alors, je ne vais pas faire tout le détail du changement climatique, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, les questions qu'on se pose, ce n'est pas simplement y aura-t-il plus de co-agresseurs demain, c'est est-ce que les produits qu'on utilise actuellement qui sont efficaces seront encore efficaces demain quand ils vont se dégrader beaucoup plus vite, parce que la température sera plus élevée, par exemple. Est-ce que le biocontrôle, dont beaucoup de gens pensent qu'il est l'un des leviers qu'on peut activer, et on a vu des présentations aujourd'hui qui l'ont montré, bah, est-ce que ce biocontrôle il reste efficace avec une température plus élevée de 2, 3, 4, 5, 6 degrés?
bah, peut-être que les auxiliaires ils sont pas plus en forme que les plantes conductives, mais que certains bioagresseurs pourront très bien se trouver dans un environnement à chaque deuxième. Là. Et puis on oublie que le changement climatique, ce n'est pas que la température qui augmente. Le principal impact récent du changement climatique sur l'agriculture française, ça a quand même été en 2016, la perte de rendement des céréales en blé tendre tout autour du bassin parisien, moins 40% en moyenne par rapport à l'année précédente. Et simplement parce qu'il a fait un hiver doux, qu'on connaît assez régulièrement, un printemps pluvieux, très peu d'évapotranspiration au printemps, un rayonnement pas terrible, et puis un terrain favorable au développement des maladies fongiques. Et puis une impossibilité de rentrer les tracteurs dans certaines parcelles parce qu'il y avait trop d'eau. Et donc la transporte ne permettant pas de rentrer les engins. Donc il n'y a pas que la température qui doit nous préoccuper, c'est vraiment très très divers hein, les impacts sur l'environnement. La variabilité climatique est tout aussi importante que la tendance. Alors, qu'est-ce qu'on propose dans ce cadre-là? L'idée c'est un peu, j'ai bien aimé la présentation d'André Foucault, c'est un reste qui m'a invité, c'est la vision, finalement on a une panoplie d'outils que l'on va déployer, et puis on garde quand même en filet de sécurité la possibilité d'avoir des produits en cas d'échappement de tel ou tel ravageur, ou d'apparition d'un ravageur méconnu sur lequel on n'a pas une solution alternative. Et donc, ce qu'on essaie de développer, alors pas tout seul, hein, parce que l'UNRAED est effectivement un gros acteur de la recherche dans le domaine, mais on est en partenariat avec nos partenaires européens, et donc on a signé à l'occasion du Salon de l'Agriculture, de communiquer de presse, un accord de consortium avec 26 organisations, 16 pays. Pour s'engager collectivement dans la recherche des alternatives à l'usage des produits phytosanitaires. On n'a pas dit 50% si possible, 25%, 35%. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. On se dit, voilà, il y a des solutions, il y a des leviers qui existent, qui ont été proposés, il faut en faire l'inventaire. Et puis, comment on les combine et comment on teste en vraie grandeur à l'échelle du territoire européen, et non pas simplement dans quelques fermes des filles en France, ces leviers. Alors, le levier, c'est la prophylaxie avant tout. Hein. L'aspect curatif des produits doit rester l'ultime barrière, et on est vraiment sur. Redécouvrir la prophylaxie, alors ça peut passer par la réglementation de carotène, on est plus exposé, mais c'est aussi des pratiques de diversification, de traite de travail du sol, d'allongement des rotations. C'est l'épidémiosurveillance, donc il y a eu un renforcement des épidémiosurveillance végétale, animale et de la chaîne alimentaire en France, avec un accord passé entre l'INRA, l'ANSES et d'autres opérateurs. Donc avec une surveillance en temps réel du territoire et de la modélisation qui permet de prévoir un certain nombre de choses, en tout cas de prévenir et d'alerter les services concernés. C'est aussi tous les leviers de l'agroécologie, c'est-à-dire la diversification des cultures, la remise dans l'espace rural d'infrastructures agroécologiques, ce que certains font déjà depuis longtemps et utilisent hein, ces régulations. L'idée, c'est vraiment d'essayer de les optimiser. Sans abandonner le levier, ça a été évoqué, hein, de la sélection variétale, de développer des nouvelles variétés résistantes. On a on est bien fait à la publicité de ce qu'on fait, c'est normal, on est aussi payé par les contribuables, donc ça, je comprends. L'exemple sur lequel on communique beaucoup récemment, ce sont les vignes résistantes au microbiome. Pour les spécialistes, c'est un pyramidage de plusieurs gènes de résistance, c'est 15 à 20 ans pour l'obtention, hein, on a vraiment fait ça par des croisements successifs. Et donc, c'est 4 variétés inscrites au catalogue, et il y en aura d'autres qui sont dans les tuyaux. Si je veux dire, je vais faire un studio de certification, qui permettent de réduire de 80-90% l'usage des fongicides. Par contre, on dit, utilisez quand même un traitement fongicide pour éviter que le champignon s'attaque et contient la résistance trop vite. Donc, on est sur cette logique-là de combinaison de leviers. Et pour que ça soit durable, il faut plusieurs ingrédients. D'abord, il faut que ce soit une démarche collective. Faire changer les pratiques, c'est pas un individu seul dans son coin qui peut y arriver. Il peut y arriver, mais si on a une volonté d'être à l'échelle, eh bien, c'est vraiment une démarche collective. Il faut considérer que la santé des cultures, et je suis d'accord avec Claudine, c'est pas que la santé des cultures, c'est pas que la santé humaine, c'est vraiment une santé globale. Bah, ça, c'est un bien commun. Et il faut penser cette santé et la préservation de la santé comme un bien commun. Et donc, quand on parle des antibiotiques qu'on peut utiliser n'importe comment, parce que ça pourrait augmenter notre durabilité à certaines bactéries résistantes, eh bien, ça pose moins de problèmes. On a l'impression que ça pose moins de problèmes. Hein. Les plans éco-antibio, 50% ont été atteints très très rapidement. Alors, ça peut vouloir dire que peut-être on utilise l'antibiotique de manière un peu exagérée, je pense que je fais d'accord là-dessus. Pour les pesticides, ça ne marche pas, les produits phyto. Donc, c'est qu'il y a des blocages, il y a des points où on n'a pas suffisamment appuyé. Et je terminerai peut-être par un point, enfin, je terminerai pour l'instant. C'est qu'on ne fera pas ça contre les agriculteurs. Et on ne pourra le faire que tant qu'il restera des agriculteurs. Parce que ça, c'est une préoccupation, je pense que ça va dans la salle de partage, c'est que c'est bien de proposer, nous on est confronté maintenant sur des expérimentales, qui sont des fermes expérimentales, je pense notamment sur Dijon, un poisson d'un 125 hectares,
convertis intégralement au zéro phyto, bah, ça veut dire qu'il faut penser qui va s'occuper, quel est le travail que ça va nécessiter d'observation, de monitoring, d'intervention. Et quand on voit que la plupart des exploitations françaises n'ont plus de TP, enfin, de moins en moins de TP, parfois moins d'un TP par exploitation, qui va encore plein de travail, ça pose des questions. C'est qui va faire le travail et contre quelle rémunération. Ça, c'est un sujet plus tard, mais je pense que c'est l'un des points de blocage pour faire une transformation qui n'est pas que l'incrémental, hein. On ne joue pas sur les petits points, hein. C'est vraiment faire basculer dans un autre système. Certains y arrivent, ce sont des marches individuelles très fortes. Une majorité voudrait peut-être y aller, mais il leur manque un certain nombre de leviers, et peut-être aussi l'assurance que s'ils prennent des risques, quelque part, la collectivité doit aussi les protéger par rapport à ces risques. Très bien, merci beaucoup. Alors la chance, c'est qu'on a deux agriculteurs à la tribune, donc j'ai envie de nous tourner vers Thierry Coué, vous êtes responsable donc, du programme environnement de la FNSEA. Donc comment vous réagissez à ce que vient de dire Thierry Claquet et Claudine Joly? La balle est un peu dans votre camp. Comment vous affrontez cette situation? Il n'y a pas de méchants agriculteurs, mais de gentils agriculteurs. Je précise d'entrée. Alors, moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, mais c'est faux. Comme on est à l'opposé l'un de l'autre, on n'a pas d'opposition majeure, en tout cas, à aujourd'hui. Sur la question de... Moi, je commencerai par la conclusion de M. Caquet, qui, évidemment, revient en termes social et sociologique de l'agriculture aujourd'hui. C'est un premier point. Et deuxième point, on n'a pas progressé dans l'agriculture sans progresser en groupe. Nous, à la FNSEA, on a une vision intégratrice, c'est-à-dire qu'on veut emmener le plus grand nombre dans un objectif commun. Alors évidemment, vous allez dire, la FNSEA, c'est le grand méchant loup, voilà. On a complètement changé notre point de vue sur la question, notamment des phytosanitaires, mais plus globalement, on va faire notre rapport d'ailleurs au Congrès s'il a lieu, parce qu'avec le coronavirus, vous savez, il y a des risques autrement plus graves que la présence de notre Congrès. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, il aura lieu normalement, et le rapport de ce Congrès est bien sur l'adaptation au changement climatique et comment l'agriculture va devoir se projeter justement dans les années qui viennent, dans un contexte de changement climatique que l'on connaît déjà. Il ne faut pas se dire que l'on part tout d'un coup sur un changement climatique là, qui n'existe que depuis 2 ou 3 ans. Non, il y a plus de 20 ans, 40 ans même, que l'on s'adapte en permanence à ce changement climatique avec des outils que sont les produits phytosanitaires, dits pesticides aujourd'hui. Bon, la peste a existé à une période, hein. C'est vrai. Alors, juste une précision sur ce mot, parce que ça n'a rien à voir avec la peste. C'est un anglicisme. Le peste en anglais, c'est un ravageur. Voilà. Sauf qu'on sait très bien la confusion. Eh oui, on sait très bien ce que veut dire peste en français. Donc, tout de suite, dans l'esprit des gens aussi, ça présente ces produits de défense des végétaux comme le grand méchant loup, qui est l'outil malsain qui est là tout de suite pour tuer toute la biodiversité. Bon, c'est pas... En tout cas, nous, ça n'est pas comme ça qu'on le perçoit. Aujourd'hui, on a, et ça a été dit par Claudine Joly, il y a un durcissement, oui, effectivement, d'une approche plus par naïveté, par non-compréhension des choses que par dogmatisme, j'ai l'impression. Alors ça devient du dogmatisme à partir du moment où les gens ne regardent plus la science telle qu'elle est, ne regardent plus non plus le travail de l'agriculteur tel qu'il est. Et dire aujourd'hui qu'on n'a pas progressé depuis 2008 ou 2009 au moment des discussions sur Ecophyto du Grenelle de l'environnement, c'est complètement faux. Vous avez dressé un tableau de noirceur terrible. Je cite
des chiffres Ben, moi, je peux vous en citer aussi. Lorsque les outils ont été réduits, par exemple, par EFSA sur les molécules, en 2008, on était à 425 substances actives. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 323. Ça, c'est du concret. Avec, aujourd'hui, des cultures qui sont ce qu'on appelle orphelines en termes de solutions chimiques. D'accord ? Notamment dans les légumes, dans les fruits, dans énormément de problèmes. Alors, pourquoi je reviens sur la conclusion de M. Caquet ? C'est que on est toujours dans une logique en Europe et en France où il faut amener aux consommateurs une alimentation peu chère, saine et dite durable. Sauf que le durable ne se conçoit pas avec une alimentation à faible prix, parce qu'on est en concurrence directement avec des gens qui n'ont pas les mêmes outils que nous pour soit défendre ou faire croître leurs plantes ou leurs animaux. Ça, c'est un premier fait. Si on n'a pas résolu ce problème-là, le problème de l'agriculture, je peux vous dire, va être vite résolu. Et d'ailleurs, l'évolution que l'on a aujourd'hui, c'est la disparition petit à petit des agriculteurs, surtout de l'élevage, et les fruits et légumes. La profession agricole est très diverse et très diversifiée. Mais les premiers touchés sont les productions où on a beaucoup de main-d'œuvre. Un exemple, moi je produis du porc. On est les plus compétitifs au monde en France sur la production porcine parce qu'on a une technicité et des éleveurs hors normes. Il faut se le dire. Et on n'est pas les seuls. Mais dès qu'on rentre l'animal dans un abattoir, on a perdu notre compétitivité. Dû tout simplement aux multiples transformations derrière que l'on exerce sur la viande et le travail de la viande jusqu'à l'assiette du consommateur. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet européen. Il y a le sujet de la PAC et tout ce qu'on peut en faire, mais aujourd'hui on voit toutes sortes d'imprécations sur une PAC plus vertueuse, plus Green Deal, plus, je ne sais pas, enfin vous voyez, de la fourche à la fourchette. Très bien, mais le concret, c'est quoi? C'est le revenu de l'agriculteur, l'aspect social, le prix des denrées alimentaires, l'autonomie alimentaire de la France et de l'Europe. On est en train de la perdre petit à petit. Et sans s'en rendre compte, tout ça, c'est dans une surdité terrible. Tout ce que l'on entend aujourd'hui sur l'agriculture, c'est ce que dit Madame Joly, c'est-à-dire, c'est un problème. C'est pas un problème, l'agriculture, c'est une solution. C'est une solution pour le carbone, pour le changement climatique, pour la santé des gens, à condition que l'on discerne mieux les problèmes et que l'on soit sur les impacts, l'impact de l'agriculture, limiter les impacts et les risques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cantonner aujourd'hui en disant qu'il faut supprimer tout ce qui est chimique. Je regrette aujourd'hui, le gel hydroalcoolique est conseillé partout. C'est un produit dangereux. C'est un pesticide. Bon, eh bien, heureusement qu'il existe. Je regrette. Parce que s'il n'existait pas, c'est vrai que le coronavirus irait sans doute plus vite. Bon, ben voilà. Mais tout ce fantasme que l'on a aujourd'hui, à la fois sur la production agricole et à la fois sur les outils que l'on utilise, ça suffit. Moi, je viens de Bretagne, j'ai encore des petites parcelles, j'ai 140 hectares, sur ces 140 hectares, nous sommes 5, et j'ai plus de 3 km de haies. La moyenne de mes parcelles, c'est 1 hectare 7. Je suis dans une cuba de matériel, 800 hectares, 1 hectare 5 de moyenne de parcelles. Alors moi, je veux bien que l'on dise que l'on est dans une agriculture industrielle, mais je n'estime pas, moi, producteur, avec 400 fruits et 140 hectares, faisant vivre 5 couples, être dans un schéma, pour moi, c'est une ETP, enfin
Non, pardon. Une TPE. Très petite entreprise, voilà. Non, pas une TPI, parce que là, on est dans l'industrie. Je ne suis pas dans l'industrie. Voilà. Ce que je veux dire, et non seulement je ne suis pas dans l'industrie, mais je fais plein de métiers différents. Voilà. Et le métier, mon principal métier, c'est regarder, entendre et sentir. Mon père m'a toujours enseigné ça. Je suis d'abord éleveur et agriculteur. Toutes mes céréales vont à l'alimentation du porc et j'estime être dans un cercle complètement vertueux où le lisier, je récupère le gaz de mon lisier pour chauffer mes bâtiments et derrière, bon, etc. Donc je me situe, moi, dans l'agriculture durable avec de la technique, avec de la science, avec énormément de formation, d'information et l'agriculteur restera observé, entendre et voir. Voir les animaux, les observer, voir les plantes, les observer et trouver les meilleurs outils derrière pour, un, résister au changement climatique, résister aux invasions de quelconque, résister aux maladies, etc. C'est ça notre travail de tous les jours. Très bien. Dans mon sens, dans votre démarche, on vous entend, on a presque envie de dire que vous faites quasiment dans une démarche presque bio, quoi, non? La bio, c'est la vie. Non, c'était pour essayer de faire la transition avec. Bio, c'est la vie. Donc, moi, je suis un fabricant de vie tous les jours. Voilà. Monsieur Bonduron, comment vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit et comment vous. Alors, je ne vais pas vous mentir, je connais bien Thierry. Donc, Ben oui, c'est ça. Donc, moi, je suis agriculteur bio depuis 1997. Et déjà auparavant, en étant toujours en conventionnel, je suivais déjà le sujet bio. Donc en fait, je suis un observateur attentif de ce qui se passe autour de l'agriculture biologique et de l'agriculture en général depuis presque 30 ans. Il y a un peu d'écho. Voilà, j'ai trouvé, alors malheureusement je suis arrivé en début d'après-midi, j'ai trouvé le programme très intéressant parce que j'ai cette relation entre le soin des animaux, le soin des plantes, la biodiversité, le paysage, ça a toujours été un peu le moteur de ma réflexion et c'est pour ça que je suis passé en bio en 97 notamment. Et bien sûr pas du tout dans un contexte d'opposition des modèles, c'est-à-dire que si vous attendez de moi le message du bio-intégriste qui se bat contre le reste du monde, vous n'allez pas le trouver parce que je suis aussi président de chambre d'agriculture. Et je considère qu'il faut emmener tous les agriculteurs dans des démarches qu'ils vont choisir et qu'ils ne vont pas subir. Alors, juste pour l'anecdote, je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui des opérateurs qui obligent leurs éleveurs intégrés à passer en bio. Je pense notamment à Loué, voilà, au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui un jour reçoivent un cahier des charges de leur entreprise intégratrice qui leur dit « Vous êtes en appel rouge, à partir de telle date, vous serez en bio ». Bon, c'est pas du tout ma conception d'agriculture. Moi, ma conception, c'est un agriculteur entrepreneur de son territoire qui souhaite choisir son mode de production et essayer de valoriser le mieux possible ce territoire sur lequel il fait vivre son entreprise. Donc, j'ai bien apprécié aussi la fin de l'intervention de notre intervenant de l'INRAE. Sauf que, en tant qu'observateur de la bio en France, j'ai quand même un petit contentieux avec l'INRA avant, qui s'appelait l'INRA. C'est sur le sujet de recherche, parce que je suis désolé, l'agriculture alternative que représente l'agriculture biologique, qui reste un système extrêmement intéressant, a été très très peu accompagnée par la recherche. Enfin, moi je suis désolé, je suis truc en bio depuis 23 ans, j'utilise encore la variété Ronan, en blé panifiable bio, qui est une obtention de 1983. Aujourd'hui, on a des produits de biocontrôle qui fonctionnent, comme les trichogrammes, mais ce sont les seuls qui sont vraiment adaptables sur le terrain, sur les cultures. Tout le reste, alors il y a quelques évolutions récentes sur le châtaignier, sur un certain nombre, mais les vraies nouveautés applicables sur le terrain auprès des agriculteurs pour leur permettre d'avoir vraiment des méthodes alternatives, il y en a très très peu de très performantes et de très solides. Moi, j'ai un système polyculture-élevage qui s'adapte relativement bien à la bio. Pourquoi ? Parce que quand je suis débordé par des adventices, je fais quoi ? Je fais du fourrage.
Soit je mets les vaches dedans, soit je le récolte en foin. Mais je ne peux pas commercialiser cette production. Madame Joly, vous parliez de gaspillage alimentaire. Moi, je suis désolé de vous le dire. Aujourd'hui, il y a des systèmes bio qui produisent beaucoup plus de gaspillage alimentaire par rapport aux productions qui sont retirées du marché parce qu'on retrouve du datura dedans, parce qu'on retrouve un certain nombre de choses indésirables que les consommateurs, par rapport à l'hygiénisation de notre société, ne supportent pas. Donc, moi, je trouve que on a un espèce de faux débat, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup de choses aux agriculteurs sans leur en donner les moyens en définitive. Et le reproche qu'on a fait de tout temps hein, sur les métaprogrammes de l'INRA, moi je trouve affolant qu'en fait l'INRA ait quand même passé une partie de son temps à faire des études sociologiques pour comparer les systèmes conventionnels et les systèmes bio. Mais on s'en fout de ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous ce qu'on veut c'est des méthodes alternatives récurrentes, résilientes, qui permettent aux gens de se passer de pesticides demain s'il le faut, mais pour avoir des produits commercialisables. Comme Madame Joly dit, les agriculteurs bio vivent très bien. J'en suis la meilleure preuve. Je vivais très mal dans mon système bio en filière longue, parce qu'en viande bovine, il y a une très mauvaise valorisation de la viande de bœuf. En plus, moi, je fais des bœufs de 40 mois. Vous voyez un peu le truc consommateur d'herbe, de paysage. Et je suis passé en vente directe, donc je suis très content d'avoir créé avec des collègues un magasin de producteurs. Mais j'ai été sur la vente directe parce que ma filière bio, implantée avec un abattoir, des boucheries derrière, ne me rémunérait pas, même en bio, à hauteur de mes coûts de production. Donc, on ne peut pas dire c'est blanc, c'est noir, les bio vivent très bien, les conventionnels vivent très mal. C'est complètement faux. Tout dépend des systèmes, tout dépend des projets, tout dépend des entrepreneurs qui sont au milieu de leur système et de la manière dont ils produisent le mieux et en fonction de leur marché. Mais aujourd'hui, on fonctionne mal. Et ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, parce que moi je le regrette, même si l'agriculture biologique se développe et qu'aujourd'hui on est pratiquement à 10% de la SAU, mais en termes de production globale, plus on développe de la bio, plus on importe des produits du reste du monde. Et ça, c'est un vrai problème. On a combattu avec les ONG environnementales et un certain nombre d'opérateurs sur les serres chauffées. Refuser d'avoir un minimum de chauffage de serre avec en plus des ressources renouvelables derrière, parce que c'était ça l'enjeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va doubler les importations de fruits et légumes bio qui vont venir d'Almeria avec des conditions sociales inacceptables. Et ça, toutes les ONG, la FNAP, tous les intégristes l'ont accepté en disant c'est super, il n'y aura pas de serre chauffée en France. Mais c'est une catastrophe pour l'économie locale, pour les circuits courts. Il faut savoir trouver le bon compromis, en fait. C'est cette difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à établir des compromis entre nous. On a des ONG, alors vous l'avez dit, je vous salue en disant que vous évitiez la radicalisation. Mais moi, j'ai rencontré encore la semaine dernière des gens du Coquelicot, mais comment peut-on discuter avec des gens qui vous disent « Mais de toute façon, nous, on n'y connaît rien, mais ça sera comme ça quand même. » C'est pas possible, on ne peut pas discuter comme ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vivre ensemble, c'est expliquer qu'aujourd'hui, il va y avoir des zones de non-traitement et que dans les zones de non-traitement, le cuivre qui est utilisé en agriculture biologique, il y aura des distances à respecter, il faut aussi le savoir. C'est la vérité, c'est-à-dire que les zones de non-traitement ne vont pas non plus repousser que des agriculteurs conventionnels en chimie de synthèse. Il y a des agriculteurs bio qui auront des problèmes sur l'utilisation de leurs parcelles parce qu'ils ne pourront pas épandre du cuivre. Ou alors, à 20 mètres, ils vont perdre des surfaces en production. Donc il ne faut pas radicaliser les débats, il faut essayer de continuer à travailler ensemble. Et nous, on attend des ONG un autre discours, un vrai discours de compromis. Quand il faut, ben oui, mais moi je suis désolé, je suis en permanence au contact avec quelqu'un qui vous représente, qui s'appelle Cécile Claverol. Je suis désolé, on ne peut pas discuter avec des gens comme ça, c'est l'hystérisation de tous les débats agricoles. C'est terrible, comment voulez-vous qu'on arrive à avancer sur tous ces sujets qui sont quand même des enjeux majeurs? Alors, Claudine, je vais vous les... Je suis... Disais directement, oui, je parlais tout à l'heure de radicalisation du mouvement, et je disais que j'en étais très triste, d'autant que j'ai participé et j'étais complètement partante pour cette démarche d'accompagnement des Cofito. Alors qu'au début, chez nous, des gens qui disaient que c'est méchant, tout ça, il ne faut pas avoir confiance, ça ne fera rien. Bon, si, on y va, on travaille, on a travaillé, mais vraiment énormément. Enfin, avec Pierre Guy, que certains ont connu dans les premières années d'Ecofito, on
Marseille, on avait écouté 50 réunions, il y avait des copines, des groupes de travail par action, enfin il y a 115 actions dans le premier plan avec le phyto. On a fait un bon monstre, hein, avec les agriculteurs, on les a accompagnés tout le temps. Le problème, c'est qu'au bout de 10 ans, voilà, on est face à des résultats catastrophiques, quoi. Donc, tout le mouvement qui nous disait « ça sert à rien », voilà, c'est un très beau jeu de nous dire « vous voyez, vous êtes fait un fait, vous avez bossé, vous avez voulu accompagner, ça sert à rien, hein. » Donc, voilà, moi je suis la première à déplorer ça, mais quand on a un constat, un résultat comme ça, eh bien, j'ai un bain fou, je suis débordée. Hein, et le directoire ancien avec Jean-Claude Léviard qui avait, et Pierre Guy qui avait cette politique d'accompagnement, il est débordé par une base qui dit stop, on arrête de financer 400 millions d'euros par an pour faire l'accompagnement aux agriculteurs qui, à la première occasion, disent qu'ils ne sont pas accompagnés. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas combien d'interventions télé, il nous faut du temps, de l'accompagnement, du machin. Bon, nous, ça fait depuis 2008 qu'on est dans ces groupes de travail, qu'on donne des sous et qu'on vote les financements et on a du mal à faire votre. Bon, on fait tout ça et voilà. Hein. 10 ans après, 11 ans après, on en est. Je vous dis, j'en suis la première catastrophe. Mais là, je suis sortie de la réunion avec le ministre en me disant, je suis désolée, moi j'ai plus d'arguments pour défendre le plan interne. Comment je fais? Il y a une question qui me venait à l'esprit en vous écoutant. C'est un peu ce que disait Thierry Couille. Est-ce que le nœud du problème, effectivement, il y a de l'accompagnement, mais on voit que ça bute, que malgré tout, la consommation de produits phyto reste élevée, elle augmente. Est-ce que ce n'est pas aussi cette difficulté à concilier prix bas, alimentation à prix peu cher, et durabilité, c'est, voilà, c'est, est-ce que c'est pas ça finalement, sur ça qu'on bute chez nous, parce que les agriculteurs ne sont pas des entêtés, je veux dire, s'ils peuvent produire comme ça en zéro phyto, je pense qu'ils le feraient, parce que je sais pas, c'est une charge des produits phyto, c'est pas comme c'est... Non seulement ça charge, mais la RPD, la redevance qui est augmentée quand même de 40%, ces fameux 400 millions sont pris sur une redevance payée par les agriculteurs. Alors s'il vous plaît... Mais le problème, c'est que vous utilisez notamment le nœud du... Vous utilisez le nœud du madame, qui n'est pas le bon outil. On a progressé sur énormément de secteurs. Sauf que vous en faites fi, vous restez fixé sur un indicateur qui n'est sans doute pas le meilleur indicateur, parce qu'on ne distingue pas dans le nœud du, notamment, l'utilisation aujourd'hui... Le nœud du, c'est quoi? Ben, c'est le nombre de doses utilisées. C'est le fameux outil sur lequel FNE et les environnementalistes jugent tout le travail de l'agriculture. Or, ça n'est pas le bon outil, on le dit depuis le début. Un, c'est une boîte noire. Deux, on a dans ce nœud des produits aujourd'hui qui quantitativement sont beaucoup plus importants à l'utilisation, avec des produits qui ne sont plus rémanents comme ils l'étaient, donc avec des utilisations répétées. On augmente les doses, mais c'est un progrès. Sauf qu'on aimerait entendre dire FNE ou Claudine Joly, agricultrice. Je ne sais pas comment elle pratique sur son exploitation, mais je ne vois pas comment, si elle est en agriculture conventionnelle, elle a réussi à diminuer les quantités avec les maladies en Normandie. Je connais suffisamment la Normandie et son humidité, etc. Donc, comment vous avez fait? Si vous avez trouvé la solution, donnez-la à l'ensemble des agriculteurs. Mais restez accrochés à des choses qui ne montrent en rien l'évolution. L'investissement des agriculteurs dans le matériel, l'investissement dans la data, enfin toutes les données aujourd'hui qu'on peut avoir sur les données satellites, sur la robotique, les efforts que l'on essaie de faire pour adapter ça, les demandes que l'on a faites répétées, pour utiliser des drones, pour diminuer les doses, sur lesquelles FNE et leurs collègues ont refusé de nous suivre, alors que c'était le meilleur moyen, un, de réduire les accidents de salariés ou d'agriculteurs, notamment sur des lignes en pente, etc., etc. Donc on a aujourd'hui énormément de moyens à notre portée, mais dès qu'on trouve quelque chose, on a tout de suite une opposition franche devant nous. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je constate, et j'ai un exemple concret sous les yeux, avec Dossi,
hein, qui est la coopérative dans laquelle je suis au Redanana. Depuis 8 ans, 8-10 ans, qu'on développe des légumes sans pesticides ou presque. Aujourd'hui, on n'a jamais jeté autant de légumes par an, c'est-à-dire qu'on fait des contrats avec les agriculteurs. Aujourd'hui, on est à peu près à 40-50% de jetés à l'usine. Je vous le dis parce que c'est les chiffres. Et c'est, parce qu'ils ne sont pas conformes en termes. Mais un, parce qu'il y a Natura. Deux, parce qu'ils ne sont pas conformes. Trois, parce qu'il y a de la morale. Quatre, vous voulez le jour, une liste comme ça. Et oui, parce qu'ils ne sont pas conformes à la consommation aujourd'hui et aux standards de consommation. Et si aujourd'hui on incorpore Natura dans les boîtes d'aussi, je ne vous dis pas le scandale qu'il va y avoir à l'arrivée. Donc vous voyez un peu les problèmes qui sont devant nous. Et quand on construit une filière, on n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, on est sanctionné économiquement parce qu'on est tout de suite sur le marché avec des étrangers qui vont envahir tout de suite notre marché. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. On va passer peut-être un peu la parole à la salle. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui. Pardon, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent réagir. Donc si Pierre pouvait faire passer le micro, et puis on reprend. Enfin, chacun pourra. Oui, Jean-François Moll. Moi, je voudrais remercier bien sûr l'Académie qui m'a accompagné, mais aussi les participants de la table ronde. Je ne vais pas rentrer dans le fond du débat, mais je ne crois pas que vous vous rendiez compte à quel point ce que vous nous dites est quelque chose d'assez merveilleux. Parce que on est. Oui, vous avez un débat nuancé. On entend des arguments du style mais défi, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Et le bio pourrait cohabiter avec le conventionnel ? Et quels seront les résultats de la recherche ? Les agriculteurs disent, mais attendez, non seulement on a la volonté, mais on a déjà la réalisation. Quel contraste avec le débat extérieur ? Quel contraste ? Où tout le monde a dit, on ne peut pas discuter avec Madame Lintel parce qu'on n'a pas dit deux mots, que ça sera comme ça et pas autrement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vécu, moi, des certains aspects de ces débats-là. Donc, vous êtes en plein, dans le cœur, je dirais, de la mission de l'Académie. Recours à la raison, recours à l'objectivité, recours au progrès scientifique, à la connaissance. Mais la question qui vous est posée, qui nous est posée, c'est est-ce que l'écophyto, c'est définitivement du pipeau ? Est-ce que notre... Non mais est-ce que notre raison, notre connaissance, notre façon d'imaginer l'avenir fait que... Mais il faut, comme disaient les opposants, il faut arrêter, il faut passer au tout bio. C'est ça que disent les coquelicots et autres. Si c'est pas ça, si on pense à la suite de votre débat, il y a moyen de discuter. Et on l'avait fait dans cette maison sous l'influence de Paillotin. Et je remercie Claudine d'avoir parlé de Paillotin. Il y a 10 ans, j'ai animé avec Alain Vera, et à son âme, vétérinaire. Votre micro s'est dérangé. Je vais parler une fois. Donc, Alain Vera et votre serviteur, il y a 10 ans, on a animé, et certains, voilà, Jean-Luc Bernard qui est là, un débat qui a duré 6 mois, à raison d'une réunion par mois, autour abeilles pollinisateurs. On est abouti à un document signé par l'ensemble des acteurs, y compris l'UNAF, pour la cité, qui n'était quand même pas la moins urticante des associations. Pourquoi ? Parce que cette maison avait organisé des réunions où la seule règle, c'était de justifier par des données ce qu'on disait. Et on a pu progresser. Attention, ce n'était pas l'Académie qui organisait un débat en disant « Venez écouter ce que je pense du problème. Hein, tendez votre bras gauche, je vais vous faire la travelleuse. » Ce n'était pas du tout ça. C'était comment on peut faire ce que vous faites là, même si vous n'êtes pas d'accord.
comment on peut faire progresser par l'instauration d'un débat qui dure, mais qui est exigeant, et qui peut-être est nécessaire sur cette quand même une question fondamentale pour notre pays. C'est quand même pas rien l'agriculture pour ce pays. Donc, il faut quand même qu'on passe un peu de temps. Donc moi, je pense que le perpétuel interviendra peut-être, mais on a quand même sur ce sujet un vrai débat à avoir autour du thème éco-phyto, est-ce définitivement du pipeau? Bon, j'ai envie de demander à Thierry Caquet ce qu'il en pense. Moi, je pense que, je ne suis pas normand, mais pour moi, il y a du bon et du bon bon dans ce qu'on a pu voir avec le plutôt. Ce que j'ai évoqué sur des vies, sur des initiatives. Voilà, donc ça, je pense que c'est le choix que j'ai dit. Après, il nous dit trop bon, pas bon. Moi, je dis toujours, quand on en fait un peu mieux qu'un seul thermomètre pour mesurer différemment les choses, c'est qu'on atteint un problème de fond, sans se tromper d'objectif. Des fois, on a un problème de thermomètre. Soit le thermomètre, soit le thermomètre, mais en tout cas, il y a tout un problème là. Moi, je pense que ce qui est très intéressant, parce qu'on est dans une. Ça a dit, les mots ont été prononcés, hein, radicalisation, hystérisation. Le débat public qui est devenu hystérique sur plein de sujets. Maintenant, tout le monde est expert de tout et on peut avoir lu quelque part sur Internet cette chose. Il y a une confusion générale de termes. Enfin, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est très bien, mais par exemple, entre le danger et le risque, les gens confondent allègrement les deux. Et alors, quand on a fait un peu de tox ou d'écotox, on sait que ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'effectivement, ça peut être. Alors, je ne suis pas d'académie, donc je pourrais en parler très souvent. Ça peut être la responsabilité de l'académie, c'est aussi la responsabilité d'opérateurs publics, comme l'INRAE, comme nos collègues du CIRAD ou d'autres organismes. Aussi d'alimenter le débat public et de pas de se mettre en danger parce qu'on n'est pas là pour ça, mais d'être capable de discuter avec les différentes parties prenantes à partir du moment où ces parties prenantes ont envie de discuter. Je ne crois pas. Bah, non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le bénéfice de cette maison, c'est les cheveux blancs, c'est l'expérience. On s'en pour Dronc, effectivement, un peu sourd. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans cette maison, normalement, on peut gérer les débats sans aucun conflit d'intérêt. Pourquoi je dis ça à l'INRA? J'ai beaucoup d'amis à l'INRA. Mais on va toujours vous soupçonner de promouvoir des questions qui suggèrent des programmes de recherche. Donc, vous êtes, d'une certaine façon, jugé parti. Ce que cette maison peut faire, il semblerait quand même que pour la majeure partie de ses membres, leur carrière soit derrière eux. Non, enfin. Donc, ce qu'on peut apporter, c'est un point de vue détaché. Parce que notre souhait, c'est de trouver des solutions rationnelles et durables pour un enjeu fondamental de notre pays. Et pour 300 000 pèlerins, quand même, aussi, au passage. Enfin, 300 000 ou peut-être 400 000. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a une neutralité dans cette maison. Je voulais revenir, parce que le temps passe, sur ce que vous dites, sur les solutions durables. Monsieur Banduro a interpellé, je dirais tout à l'heure, notamment mais sur les solutions. Non, je peux le réinterpeller à la raison des questions, parce que je rebondis à l'intervention précédente. Si l'INRA a besoin de vrais programmes de recherche, je peux lui en suggérer, il n'y a pas de problème. Autre que du sociologique et de l'évaluation de telle pratique par rapport à telle pratique, il y a des choses plus simples, c'est notamment tout ce qui est combinaison céréales protéagineux, que vous pratiquez un peu, depuis pas si longtemps que ça. Il y a un champ des possibles énorme, et là il y a vraiment une solution de réduction des produits phytosanitaires, en bio évidemment, mais aussi et surtout en conventionnel, avec notamment une recherche sur les protéagineux, puisque aujourd'hui en France, on a un catalogue de variétés disponibles en protéagineux très très faible. On a des coefficients de rendement qui sont minables, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une année, vous faites 2 quintaux, l'année après, vous en faites 15, vous ne savez pas pourquoi. C'est des facteurs de rendement que vous ne maîtrisez pas. C'est excessivement compliqué pour les gens de construire leur rationnement par rapport à ça. Et pourtant, on sait que c'est véritablement là-dessus qu'il faut travailler. Adapter ces systèmes complexes d'utilisation multi-espèces à des contextes pédoclimatiques. Et ça, on sait que c'est une vraie voie d'avenir. Il faut aussi travailler avec les transformateurs pour qu'ils acceptent d'utiliser les protéagineux qu'on a à notre disposition, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'importer du soja, pour le savoir. Même du soja bio, ce n'est pas terrible non plus, parce que les protéagineux qui sont à notre disposition sont beaucoup moins riches en protéines, ils sont moins intéressants vers l'acide aminé et tout. Donc il y a un travail énorme, et ce travail-là,
on ne perçoit pas des choses fondamentales, alors que là, ce seraient des véritables outils à la disposition des agriculteurs pour justement entamer ces transitions et trouver ce compromis qu'on essaye ici de mettre en œuvre, ici ou ailleurs. Hein. Il n'y a pas que des conflits, il y a parfois des moments où on arrive à travailler un peu. C'est de moins en moins facile, il faut le reconnaître, et c'est une vraie difficulté pour nous. Alors, avant que Thierry Caquet vous réponde, je reste sur le sujet. Non. Il y a un truc que j'ai trouvé très paradoxal dans ce que vous disiez. Vous disiez, les solutions que l'INRA a mises en place, dont on se sert aujourd'hui, ça date des années 80. Et c'est vrai. Mais dans les années 80, ce qui est paradoxal, c'est qu'on reprochait à l'INRA de se désintéresser complètement du bio, ce qui était vrai aussi. Il y avait que le conventionnel qui compte. Alors, est-ce que l'INRA, d'une certaine manière, a changé un peu sa stratégie? C'est vrai que l'INRA était très dans la recherche appliquée, il y a 30-40 ans, créer des variétés, etc. Aujourd'hui, l'INRA, c'est peut-être plus allé vers les recherches fondamentales. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rééquilibrage à faire? Alors, je ne sais pas, Michel peut témoigner. En fait, je pense qu'effectivement, l'INRA, comme toutes les organisations, a une vie qui escalade, on ne va pas revenir sur notre histoire. Je pense qu'il y a eu effectivement, comme dans toutes les activités de recherche, des grands tournants historiques. Alors qu'on a pris le tournant d'abord de l'intensification, ensuite le tournant des biotechnologies. Maintenant, on a pris depuis pratiquement 10 ans maintenant quand même le tournant de l'agroécologie. Enfin, les gens, on parle beaucoup d'agroécologie, mais les premiers travaux de recherche à la fois fondamentaux et appliqués sur l'agroécologie, on les voit quand même à l'INRA. Et le plan agroécologique pour la France, il est né quand même à l'INRA. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas attendre tout d'un organisme de recherche. Je rappelle quand même que l'INRA est un organisme de recherche, effectivement, avec une finalisation, mais aussi les enjeux de recherche académique. Et donc, on est jugé, évalué et financé sur notre recherche académique. Et que, effectivement, l'objectif et l'enjeu, c'est vraiment peut-être de redynamiser ou de dynamiser le lien avec l'ensemble des acteurs de la recherche et développement dans le domaine. Je rappelle qu'on n'est pas seul quand même. On a monté depuis très longtemps des partenariats avec des réseaux mixtes technologiques par exemple, des unités mixtes technologiques avec Arfalis, le Celsium à l'époque, d'autres, etc., l'IMV. Et en fait, on est dans une logique où il faut maintenant qu'un certain nombre de choses soient prises en main par les acteurs eux-mêmes, et en tout cas par exemple, qui sont plus proches des acteurs, que ce soit les conseillers, que ce soit les chambres. Il y a une série de transferts entre l'ACTA, la PCA et l'INRA qui existe depuis 2 ans, et force est de constater qu'en dehors de quelques sujets sur comment sortir du glyphosate pour telle ou telle culture, c'est pas très dynamique, parce que les chambres ont plein de difficultés que l'on connaît tous sur leur fonctionnement, sur la capacité à faire. On n'est pas forcément non plus bon sur tous les domaines. Voilà. Donc tout à l'heure, M. Gagnon évoquait Renan, le blé de 83, effectivement. On n'a pas abandonné l'agriculture biologique depuis 83. Alors vous n'aimez pas les métaprogrammes, c'est pas grave. Moi j'en ai mis un sur l'adaptation au changement climatique et on a fait bouger les lignes très fortement sur la ligne. Allons jusqu'à faire bouger les cahiers des charges de l'ENAO, mais ça je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors, effectivement, c'est sur la ligne, c'est sur une partie de culture, même pas partout. Mais on lance depuis maintenant 3 mois un nouveau métaprogramme sur le bio. Moi je vais retourner voir mon PDG, lui dire non, t'arrêtes parce que c'est pas la peine, les métaprogrammes, c'est pas ça dont le bio a besoin. Donc on va l'arrêter. Moi je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous dites on n'a pas besoin de recherche en sociologie ou de comparaison de systèmes. Alors, je ne suis pas sociologue, je ne suis même pas agronome. On en a des tonnes. Mais il y a un certain nombre de travaux, alors sur le domaine des pesticides, je ne parle pas du bio, qui ont montré que la pratique des acteurs, elle n'était pas totalement indépendante à la fois de leur histoire personnelle, du contexte dans lequel ils évoluent. Vous avez parlé d'écouter, sentir, voir ce que font les autres. L'échange avec des collectifs est aussi un levier qui permet de faire avancer les choses. Et dans la transition vers une agriculture moins dépendante des intrants, je ne parle pas des pesticides, le fait d'avoir des collectifs qui s'engagent, d'accompagner ces collectifs et de chercher à généraliser ce qu'ils font avec des outils de sciences sociales, alors qu'ils ne sont pas d'outils d'agronomie classique, effectivement, ça peut permettre des fois de bloquer des situations et d'avoir des valeurs d'exemple et des études de cas qui permettent d'aller plus loin.
Moi, je peux comprendre quand même dans la question d'Étienne Barmont que les agriculteurs sont en attente de solutions techniques parce que le bio, si effectivement les programmes de réduction de pesticides n'ont pas donné les résultats attendus, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des verrous techniques. Je vois par exemple en matière de lutte contre les maladies, à part le sulfate de cuivre, il n'y a pas grand-chose. Les agriculteurs sont quand même assez démunis. Donc est-ce qu'il n'y a pas, à travers sa réflexion, une attente de solutions techniques pour pouvoir produire au juste prix des produits durables qui soient respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Alors, j'entends tout à fait le besoin. Moi, ce que je vous réponds, c'est qu'on est un organisme de recherche. Alors, on ne va pas développer toutes les solutions techniques. Non, allons jusque sur le terrain. C'est un continuum. Hein. La recherche, elle va travailler. Alors, c'est des termes un peu techniques, hein. C'est des termes de développement qu'on appelle les TRL, quand on fait un peu de technologie, qui vont de 1 à 9. Un, c'est l'idée géniale du gars qui se lève le matin en se rasant, on se dit tiens, j'ai pensé à un truc génial. Et 9, c'est le monde entier l'utilise. Je le fais très vite. Bah, nous, l'INRA, on est là de 1 à 4, 5. C'est-à-dire qu'on va tester le concept, on a des unités expérimentales, des fermes, on teste en vraie grandeur. Et puis à un moment donné, bah, ce truc-là, on va pas envoyer, on est 12 000 à l'INRA, c'est beaucoup, mais on est moins nombreux que les agriculteurs. Et c'est pas nos chercheurs, nos techniciens qui vont aller dans les exploitations faire finalement l'appui à la dissémination. Et on a un problème en France sur ce sujet-là, c'est la formation du conseil, c'est la dissémination, où là on n'est pas finalement à l'échelle de ce qu'il faudrait faire. Alors il y a ça avance dans la formation initiale, dans les lycées agricoles, enfin, on repensait beaucoup la formation, et là l'INRA a contribué à repenser les programmes de formation, enseigner à produire autrement. La recherche, elle continue, alors je n'en ai pas parlé, mais il y a un grand programme prioritaire de recherche qui a été lancé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, sur justement cultiver et protéger autrement, voilà, pour sortir de cette dépendance. Après, il ne faut pas attendre des solutions clés en main en 6 mois. Non, mais je reviens sur des lois en 83, depuis, c'est rien passé, non. J'ai parlé des vignes résistantes au milieu halloïdium, bah, c'est entre 15 et 20 ans de sélection pour sortir 4 variétés résistantes. Il n'y aurait rien de pire que de se dire, on a la solution, par exemple, en résistance génique, on diffuse, vous pouvez être sûr que dans les 2 ans qui viennent, la résistance elle est contournée et on a perdu un gène de résistance. Donc on est obligé d'avancer progressivement et au bout d'un moment, ce n'est pas la responsabilité d'un organisme de recherche d'aller dire à monsieur ou madame X ou Y exploitant un tel endroit, c'est ça qu'il faut faire. On peut fournir de la connaissance, on doit travailler avec les gens qui sont là pour développer les solutions, mais ce n'est pas nous qui allons le faire. Vous attendez des relais sur le terrain. Bah, sur le terrain et dans les instituts techniques. Aussi, les techniques. Alors Claudine Joly n'a pas parlé depuis longtemps. Oui, elle fait on va poser quelques questions tout à l'heure. Donc j'ai un IFT qui se promène entre 2 et 3. Si vous avez des détails, vous demandez à Bertrand, mon chef d'agriculture de l'heure. Je suis surprise que vous alliez encore sur les impacts et les risques. Même M. Thirouin, qui représente la FNSEA dans le cadre des COFIT au niveau national, est d'accord sur la réduction globale d'usage. Sur le Nodu. Alors le Nodu, bah, il a été justement conçu ici, grâce à, en concertation avec les gens qui étaient là, avec M. Bayotin. D'accord, les COP sont sortis quand on a parlé de Nodu, mais le Nodu tel qu'il est suivi avec une augmentation de 25% du nombre de Nodu utilisés, ne prend pas en compte le biocontrôle, ne prend pas en compte les traitements de semences. Donc on est vraiment sur le phyto classique du HAP. Bon, autre question, écophyto. Est-ce que c'est du bio ? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Moi, j'ai toujours porté qu'on ne pouvait pas demander à des agriculteurs de changer de pratique sans qu'ils aient à côté de chez eux des agriculteurs qui changent de pratique. Et donc, alors, c'est peut-être là-haut, oui. Non, ça c'est tout. On ne sait pas. Enfin, dans les positions. Vous ne voyez aucune. Non, aucune sorte personnelle. D'ailleurs, oui, je vous disais que le Nodu, il a été sauvé en dernier lieu quand on a. Il y a des années de travail sur les indicateurs. Monsieur Tessier qui est là pour en témoigner sur les indicateurs de risque et d'impact. Nous, on ne voulait pas y aller parce qu'on était.
quand on observe la biodiversité, on s'imagine bien qu'évaluer le risque et l'impact sur la biodiversité, c'est juste infaisable. Mais on est allé dans tous les groupes de travail pour vraiment voir jusqu'au bout ce que vous sortez. Ça a duré, je ne sais pas combien d'années. On est avec des rapports, moi j'ai encore regardé deux chemises là, qui sont grandes comme ça, avec des rapports de l'ORP qui ont examiné tous les indicateurs de risque et d'impact qui existent au monde. On les a tous rayés un par un. On en a sélectionné par petits sous-groupes. Enfin bon, voilà. Et le nodule, il est remis en cause chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, hein, parce que les politiques tournent, les fonctionnaires tournent, et tout à coup il y a quelqu'un qui dit le nodule quand même, c'est n'importe quoi. Et donc on fait retravailler l'administration et les grands cerveaux, et à la fin, je pense à la date, il n'y a pas si longtemps, l'administration a travaillé encore pendant un an sur le nodule, et à la fin, il y a eu une réunion, l'évaluation biodiversité, c'était juste nul, et donc tout le monde est resté, enfin même M. Christian Wigg a dit quand même que le nodule, c'était quand même pas si mal, et Karine Boulet, le ministère de l'écologie, a dit, eh ben on peut bien dire que c'est moins pire, donc on continue avec le nodule, donc il faudrait peut-être arrêter de craver des neurones de gens super intelligents et essayer de sortir un truc qui... Bon, c'est pas le seul, ça empêche à suivre des tas d'autres pratiques, mais bon, il faut arrêter de dire que le nodule c'est n'importe quoi. Bon. Malheureusement... Et sinon, donc sur les conflits... C'est vous qui me dites que vous avez raison de dire que le nodule c'est n'importe quoi, dans le sens que vous le traduisez n'importe comment. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque on peut dire qu'il y a baisse d'usage, qu'il y a baisse des impacts et des risques, comment vous pouvez dire que c'est un échec pour l'agriculture? Comment vous pouvez dire ça? Non, c'est vous qui dites que c'est une catastrophe. Dans les médias, dans le monde, etc., à chaque fois, le nodule ne baisse pas, donc c'est une catastrophe. Et la QSA ne baisse pas non plus. La QSA ne baisse pas non plus, on était à plus de 21% de QSA, si vous préférez vraiment la QSA. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect... Mais je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dans le conflit. Mais je vous ai laissé parler, vous avez pas me laissé parler. Et c'est vraiment dommage qu'on risque de passer à travers le plan Ecophyto, parce que des gens comme chez nous vont refuser de financer, et qu'il y a eu déjà une année où le financement est passé une fois après. Donc ça pourrait très bien passer complètement à la trappe, et derrière il ne va rester que de la taxation et du réglementaire. Et ça, c'est une catastrophe pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pas du tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, la salle veut intervenir. La salle veut intervenir. Il y a deux questions, il y a vous et puis voilà, 3, 4, 5. Alors moi je voudrais intervenir, parce que d'abord Claudine a osé citer évidemment, donc je suis responsable de responsable. Alors non, plein de banalités, première chose, j'ai voulu participer à cette journée parce que la protection des végétaux, je crois que je connais un petit peu, du moins je l'ai pratiqué au niveau intermédiaire entre la politique et l'administratif, et quelque part, on n'est jamais satisfait quand ça monte les populations, je le dis tel que je pense, hein. Ça monte les populations les uns contre les autres. Et ça je peux, entre guillemets, je suis un acteur, j'habite en Loire-Atlantique, j'ai les maraîchers à côté, j'ai les viticulteurs à côté, j'ai les coquelicots à côté. Quelque part, je trouve qu'il faut conserver le dialogue, il faut que les uns sachent pourquoi les autres travaillent, pourquoi les autres ont des inquiétudes. Ça va dans les deux sens. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième remarque. Alors, c'est une remarque sur l'intitulé, donc qui m'a un peu surpris. Je le dis à la fin de la journée, parce que j'attendais de voir la fin de la journée. En fait, dans mon administration, moi j'ai toujours séparé de manière très, très distincte la santé des végétaux et la protection des végétaux. C'est deux choses totalement différentes. La santé des végétaux, ça a été abordé que par l'OEPP. Comment se prévenir, comment empêcher, entre guillemets, les pestes, excusez-moi, je reprends le terme anglais tel qu'il est connu, les pestes d'arriver sur le territoire. Jusqu'à preuve du contraire, si nos amis épidémiologistes sont si forts, pourquoi n'ont-ils pas empêché le coronavirus? C'est une vague, mais quelque part, on n'empêche rien dans un monde globalisé. C'est ça que je veux dire. Ça, c'était pour donner des remarques générales. Alors, je partage tout à fait l'avis de Jean-François. Quelque part, moi, franchement, je suis enthousiasmé par le débat. Il était
à divers son droit. Chacun défendant ses opinions, et c'est normal. Chacun défendant sa vision de l'avenir, et c'est ce qui m'intéresse. Enfin, excusez-moi, je le ramène à moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Derrière ça, moi, ce que je ne veux pas, alors là, je le prends dans le sens, je suis un optimiste, hein, je vous rassure, ce que je ne veux pas, c'est qu'on se retrouve à 100 000 agriculteurs parce que tout sera fait en Chine. Je le dis de manière franche, ça, on le retrouve dans différents débats. Et deuxième chose, je ne veux pas que, même si on se retrouve à 100 000, 200 000, 300 000, je ne vais pas faire voter sur le nombre, moi j'ai l'impression, pour être buteur, enfin excusez-moi, je ne suis pas buteur, je ne suis pas agriculteur, je suis fils d'agriculteur, je suis frère d'agriculteur, etc. Mais je ne suis pas du terrain. Quand même, j'ai l'impression, et là Claudine va vous le dire, j'ai l'impression que beaucoup d'efforts ont été faits qu'on ne retrouve pas dans le Nobel. Je le dis tel que ça. Je ne peux pas en dire autre chose. Je ne peux pas le mesurer. Beaucoup d'efforts au niveau local ont été faits. Je ne citerai pas toutes les explorations qui étaient en polyculture et élevage lait qui sont en train de passer dans ma région natale, en Vendée, qui sont en train de passer au niveau de la viande. Quelque part, ça veut dire que le maïs. Cherchez pas. Pourquoi on arrive à augmenter malgré tout le donut? Je ne sais pas. J'ai pas plus de réponses. Néanmoins, il faut se pencher. On est tous des acteurs, tous les quatre, tous dans cette salle, des acteurs influents. On a besoin de transmettre à nos agriculteurs une direction claire. La grande difficulté, c'est que quand je suis passé, moi, à la PV, donc ça fait en 2009, ça fait 11 ans, mon frère est venu me dire, Robert, vous êtes gentil avec les éco-phyto, mais qu'est-ce que vous allez nous donner pour faire le maïs? Au bout de 10 ans, il m'a dit, mais tu m'as rien, enfin, il m'a dit, tu m'as rien donné, parce que c'est l'ANSES qui l'a créé son compte. Mais quelque part, a-t-on vraiment donné des solutions pour l'agriculture? Je ne parle pas du maïs en particulier, parce que du coup, il va quasiment l'arrêter ou à peu de choses près. Donc, vous voyez, il faut vraiment cet effort de transmission, il faut le faire. Et je suis désolé, ce que j'ai entendu, et on a besoin des sociologues pour nous aider, mais pas de sociologues qui sont en train de taper sur les pesticides, sans essayer de dialoguer avec les agriculteurs. Il faut absolument que ce message passe. On a besoin, et je suis désolé, il y a des agriculteurs qui font d'énormes efforts. En Vendée, vous en connaissez quelques-uns, entre autres, mais on peut citer tout un autre département, mais monsieur Coué, je ne vous connais pas. Mais où on fait beaucoup d'efforts, je ne parle pas de Claudine, mais j'imagine bien qu'avec un effet de nature, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'endroits où on fait des efforts. Il faut absolument qu'on arrive à passer le message. C'est pour ça, et c'est pour ça que moi, défi, j'ai été dépossédé, ça je l'ai dit à Claudine depuis, j'ai été dépossédé au départ de. Quand je dis je, excusez-moi, la protection des végétaux a été dépossédée de défi, et moi j'ai toujours estimé que c'était notre seul outil, le seul outil qui était capable de faire bouger les agriculteurs. Et bon, c'est pas du tout parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris. On a bien compris. Mais on retombe à la fin de l'outil, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, excusez-moi. Merci pour votre contribution.